Alors salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Aujourd'hui de retour à Roubaix avec Rimkana. Ça dit quoi, frère, gros? Ouais, on est là dans le quartier, tu connais. Place du Pil. Place du Pil. Tu veux dire on est de quel côté de Roubaix? On est où en fait? Là c'est quartier S, mon ref, t'as vu? C'est le même côté que Samy Traille, à part que Samy Traille est tout en haut, on va aller le voir après. On est du même quartier, moi et Samy. Et voilà, bienvenue à Roubaix, bienvenue chez nous. Place du Pil, place Carnot. Bon, avant tout, je te laisse te présenter, gros. Ben moi c'est Rimkana, c'est un rappeur de Roubaix comme tu l'as dit, ça fait un moment que je fais du son, j'ai 35 ans, je suis un doyen un peu ici. Et voilà, voilà les projets qui arrivent. Je travaille avec Messala Prod sur un projet, on a 15 titres qui est produit par Messala Prod. Là j'ai fait un petit projet avec la Crate, on est en 5 titres, il va sortir bientôt. Et voilà, c'est fort, ça arrive fort mon ref. Et on représente le secteur, on représente Roubaix, ça, tu me connais, ça fait voilà déjà 10 ans que tu me connais, t'as vu. On est dans la rue, on est dans la street, on est là, t'as vu. Ouais, viens faire un petit tour. Vas-y, on est parti. Déjà, vraiment, est-ce que t'as clippé sur la place du Pil? Ouais, je l'ai fumé la place du Pil, t'as capté. Je l'ai fumé à gauche, à droite, je l'ai fumé un peu. Là, 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 le coin là-bas. En fait, moi, à l'époque, t'as vu, quand j'étais plus jeune, je traînais là, au coin là, moi, c'est moi. Ouais, c'est ça. T'as capté, on est parti. On va aller voir Beka là, le petit Beka, c'est un petit rappeur. Montrer. Déjà, c'est particulier le Pil parce que c'est pas une cité, on dirait, c'est plus des petites maisons. Ouais, quand même, c'est plus des maisons. En fait, il y a des côtés blocs et des côtés maisons. Même les blocs, ils font maison, tu vois. Ouais, c'est vraiment. Comme là, c'est un bloc là, t'as vu mon ref? En face, c'est un bloc, t'as vu? Ok. Ah ouais, je vois le délire, on dirait plus, ouais, maison. On dirait une maison, mais c'est un bloc, t'as capté. Okay. Et voilà, avant, il y avait le marché. Avant, il y avait le marché, t'avais le marché, toute la place du Pil. Ouais. Et c'est une place qui est connue, elle est animée. Il y a du monde à gauche, à droite. Il y a du passage. Regarde, tous les murs, ils sont tagués, je pense, t'as capté. Ouais, je vois ça. Il y a des boules partout, t'as vu, ils ont mis des caméras partout. Ouais, mais c'est miné. Il y en a au moins 5, 6, gars, il y en a une là-bas. Il y en a encore une là-bas, il y en a partout, frère. C'est miné, Roubaix. Ouais, t'as vu, il y a que des keufs. Ben, tu m'as appelé, tu m'as dit, c'est miné ton quartier. Ben, y a un petit frère là, c'est la relève de la place du Pil. Il va se présenter, Beka, ça rappe fort. Ouais, moi, ça fait 2 ans que je rappe. J'habite au Pil. Et c'est tout, ça va sortir des sons. L'autre dimanche, il y a un clip qui va arriver. Et c'est tout, on arrive fort. Hey, petit charret, j'ai pas ton temps, mon pote, on parle après. Tu manges 3 balles dans l'abdomen, ça dessine à la craie. Hey, ils se mettent à courir quand elle brûle la mèche. Y'a qu'à Roubaix que ça clique lundi alors qu'on est dimanche. T'as déjà clippé un peu ici auparavant? Ouais, j'ai déjà quoi. clippé là, juste là. Ouais, par ici. Derrière là-bas et la friche. Après, on va passer. On va passer, t'inquiète. Comment? C'est tout, ça arrive. C'est la petite relève, cliquez fort, ça va arriver. Ah ouais, il y a plein de rappeurs de face au Pil. Ouais, t'as capté. Bah là, en vérité, en plus, notre quartier, on sort pas trop, t'as capté. Là, il y a Samy, on entend Samy, moi, Rimkana, on m'entend depuis un moment. Et là, on essaye de pousser le quartier, t'as capté. Il faut que le quartier il monte, là, il faut que le Pil sorte. T'as vu, en plus, c'est particulier, il y a de l'ambiance, c'est chaud. C'est un gros quartier, il y a une histoire ici. Ouais, c'est un des quartiers les plus réputés, même dans le Nord-Pas-de-Calais, les autres quartiers. Ouais, bien sûr, ils connaissent. En tout cas, vous savez, voilà la petite relève, c'est Beka, c'est Place du Pil. Restez branché. Bah, y a quoi? T'as combien là? T'as un clip sur le net, c'est ça? Ouais, j'ai un, deux clips. Il y a un ou deux clips sur le net et ça va arriver. En travail, t'as vu? Passons dans pas longtemps, je pense même qu'on va faire un feed, vous allez entendre. Il faut. Et comme t'étais là, ça m'a fait plaisir de ramener. Il faut montrer, t'as vu la relève. Exactement, t'as capté. Montrer les autres rappeurs, se croquer tout le monde. Après, c'est particulier ici, il y a pas toutes les générations, toutes les ethnies, mon frère, t'as vu? On vit tous ensemble, tu capes, t'as vu? Justement, c'est comment un peu Roubaix? Parce que t'as vu, les gens, ils ont souvent une mauvaise image de Roubaix, tu vois? C'est comment vraiment? On est solitaire, on est entre nous. Voilà, tu connais comme toutes les villes de France, on est frontalier avec le Benelux. Voilà, on est frontalier avec. Voilà, il y a le bordel comme partout, tu connais, t'as vu? C'est juste que, en vérité, c'est une petite ville. On est plus de 100 000 les uns contre les autres, ça veut dire. C'est ça qui fait. Après, je pense qu'il se passe quelque chose à Roubaix parce que c'est comme ça, t'as vu? Après, ZKR est sorti, ils sont sortis, ça parle encore plus, t'as vu? T'as vu l'ambiance, c'est comme ça, frère. Alors, encore, on est en plein hiver, t'as vu? En plus, ouais. C'est-à-dire, c'est calme, hein, quand on voit, c'est calme. Il y a des keufs partout, mais en été, ça fait. T'es jamais venu l'été, toi? Même pas, t'as gros. Fait que l'hiver, t'as je te fait mens pas. Je te mens pas, gros, l'été, j'ai envie d'aller ailleurs qu'à Roubaix, gros. C'est spécial, hein, t'as vu, c'est des. Ah ouais, c'est un des seuls quartiers de France comme ça, on va dire. Ouais, c'est un peu. Ouais, bah c'est sûr, de toute façon, c'est l'architecture du quartier, je pense. Chaque quartier a son truc, t'as vu? C'est unique un peu. Est-ce que tu trouves qu'il y a un truc différent à Roubaix, que ce soit dans la mentalité, la façon de parler, la façon. Bah déjà, la façon de parler, c'est sûr, on a nos mots, t'as capté? Tu les connais un peu, ça me ouais. Dit, t'inquiète. On a nos mots, on a nos façons de communiquer. La mentalité, c'est pas la même, c'est sûr, frère. Et comment la mentalité de Roubaix alors? Y a quoi de particulier? J'ai envie de te dire,
est à l'ancienne un peu la mentalité de Roubaix. On est un peu à l'ancienne, on a des principes, t'as vu, à mort, t'as vu quand on reste. On est resté comme ça, t'as vu. Après, on s'entraide entre nous, on crache sur personne, et voilà, frère, on essaye de se faire monter les uns les autres. Que ça soit dans tout, hein, dans la musique, dans le sport, dans ce que tu veux. Parce qu'on parle souvent des rappeurs et tout, mais il y a des gros sportifs. Il y a plein de choses, t'as vu. Et qui comme sportif qui vient de Roubaix, par exemple? Bah, déjà, t'as Abdelrahman, c'est un combattant des MMA, t'as Mustafa, t'as un combattant des MMA, t'as Fiensou. T'as Fiensou, t'as voilà les combattants, t'as vu là qui sortent en plus, t'as Husni, un mec de Tourcoing, t'as vu, ça bosse là, mais moi je sais pas si t'as entendu un peu. Ouais, ouais. Ça commence à sortir, il y en a plein, il y a Salomon, il y en a plein, t'as vu. Bah là frérot, on est rue de la Noix, on est dans la rue de Zone Interdite, t'as capté la rue soi-disant radicalisée. Ouais, soi-disant. Ouais. Regarde mon frère, tout le monde dit ensemble, tout le monde dit, y a pas de problème mon frère. Et justement, on va remonter au cas d'école, on va chercher Samy. Ouais. T'as capté, on est dans son secteur, en vérité c'est le pile, mais le fond du pile, t'as capté. Et justement gros, t'as eu, les médias ils donnent une autre image de Roubaix, une image qui est pas vraie concernant, je sais pas, la religion, concernant les gens qui habitent et tout. Ouais. Alors qu'est-ce que t'as à dire pour mon, bah, pour dire que c'est, bah, pour leur dire que c'est pas du tout comme ça Roubaix en vrai, tu vois. Voilà frère, t'as vu nous, ce reportage-là, il nous a affiché un peu, on était pas content sur lui là, Aminel Bailly, il racontait que de la merde frère, ici tout le monde y vit ensemble frère, y a pas de différence. La misère, il n'y a pas de différence dans la misère, t'as capté, on est tous ensemble. Et c'est quoi les bons côtés de Roubaix alors? Les bons côtés de Roubaix, c'est qu'on est tous ensemble. Il n'y a pas de. T'as vu, toutes les religions, elles vivent ensemble, il n'y a pas de. T'as vu comment, tant que tu restes bien avec les gens, carré, il n'y a pas de problème. Ouais, Biggie, c'est comment, c'est un peu la rue principale ici, ça dirait. J'imagine qu'il y a de quoi manger, il y a de quoi. Tu vois tout ça dit, c'est la rue commerçante, t'as vu. Il y a des snacks. Des boucheries, il y a tout, il y a plein de trucs, des parfums, il y a ce que tu veux. C'est une rue commerçante comme une autre à Roubaix. Hein. Parce qu'on dirait que c'est un peu. Bah, ça bouge, c'est connu, mais t'as la rue de l'Épeule, t'as la fosse aux chênes, t'as vu, il y a plusieurs rues comme ça, axées à la Roubaix où ça pète comme ça un peu, t'as vu. Après, voilà, les médias, ils sont venus, je sais pas ce qu'ils ont raconté, frère. Bah, toi, ça n'a rien à voir, tu l'as vu par toi-même, t'es là, frère. Sinon, alors, du coup, comme on a dit, c'est la rue principale, il y a de quoi manger, il y a de quoi, il y a des commerces et tout, c'est-à-dire que c'est quoi le meilleur snack de Roubaix, gros? Ou le meilleur snack du secteur? Il y en a tellement mon frère, voilà, je te mens pas, il y en a plein frère, t'as des bubu burgers, là t'as la sauce sauvage, voilà les snacks, t'as capté. Tu manges donc ce que tu veux, c'est bon en vérité, t'as vu. Ça se dirige au KDK du coup? On va au KDK, on va voir Samy. C'est ça, et t'as un autre rappeur à nous présenter avant aussi. Ouais, ça c'est un petit ref à moi, il vient de Douai, les Asturies, ouais. Ça, je ne comprends pas. Ouais, c'est ça, voilà, il fait. Voilà. C'est un petit jeune, comme BK, il est en train de faire son bail, et comme je t'ai dit, si. 2-3 ans tu vas revenir les ouais, Inch'Allah, on fait les bails. ABOO, j'ai aussi un coup, j'ai une équipe, voilà, on rappe avec plein de mecs au quartier, tu vois. C'est pas pour relancer des fleurs, mais je suis celui qui a le plus avancé niveau rap. J'ai le truc qui s'appelle 624, 6IX24 sur Instagram, voilà. Mon blast c'est ABOO, j'ai sorti à Spotify il y a quoi, le 15 février. Je suis en train de préparer des freestyles sur Instagram. Puis voilà, on essaye de rester actif, on essaye de faire des paris dans la zone. Nous on est un peu plus reculé de la métropole, tu vois, c'est un petit peu les quartiers de campagne, tu connais. De la force. Et on est grave connecté entre nous. C'est comment? C'est connecté, Douai, Roubaix un peu ou quoi? C'est grave, bah, nous on n'a pas le choix de se connecter en fait chez nous, tu connais. On est obligé de se connecter avec la métropole, avec Lens, parce qu'il y a Lens à côté, il y a du monde aussi à Lens. Valenciennes, tu vois aussi, jusqu'à Dunkerque, nous on connaît du monde, on bouge, on oublie de bouger. Et du coup, bah, chez moi, c'est beaucoup de têtes qui ont soit déménagé dans le Nord et qui ramènent des plugs dans la zone. Tu connais, voilà, mais niveau rap, niveau slip, niveau plein de trucs. Mais ouais, beaucoup d'anciens Rimkana, ils ramènent tous les petits refs. Hein. Ah ouais, tu connais les petits et tout, ils sont mentalité un peu. T'as vu, je suis pas te mentir, comme au pile, y'a personne qui vient dans notre quartier clippé. Y'a pas de ça, si tu viens pas avec Samitra ou tu viens pas avec moi, y'a personne qui rentre, t'as vu. Et moi, j'essaye d'ouvrir un peu cette mentalité, t'as capté, frère? Parce que je me dis qu'il y a moyen de faire quelque chose là, ça y est, il y a du talent, il y a moyen de faire monter les plus jeunes. Monter moi aussi, t'as vu? Autant qu'à faire, on te reprend tout le monde, gars, t'as capté? Allez, tout le monde, il monte dans le bateau comme ça au moins. Moi aussi, je suis obligé de passer une dédicace à un roi à moi, voilà, parce qu'on est deux dans ma zone et dans pas très longtemps, je vais essayer, parce que le roi, il y a le bracelet, il y a des problèmes de justice, il peut pas faire les bails. Mais je suis en train de m'occuper de lui, j'ai envie de lui faire un bon truc. Voilà, c'est mon gros PTG. Voilà, on va arriver à deux dans pas très longtemps à faire des featuring, peut-être un petit 5 titres en commun. Voilà, PTG, Patajax. C'est quelque chose, voilà, il y a déjà une petite communauté, voilà, en plus, c'est déjà bien avancé dans son bail, voilà,
faut le suivre, le cours. Voilà, c'est la rue en personne. La rue Tar chez nous, la rue Tar Bas à Minier, tu connais. Et Rimka, justement, on a dit, il y a plein de rappeurs, ils veulent clipper à Roubaix, il y en a plein, ils s'intéressent à Roubaix et tout. Tu penses quoi de l'engouement de Roubaix maintenant? Parce qu'il y a de l'engouement ici, t'as vu, les gens, ils s'intéressent à Roubaix maintenant. C'est plaisir, t'as capté, mais comme on a dit, voilà, notre ville, c'est pas un musée, voilà. Les gens, ils viennent chez nous, ils sont pas d'ici, ils veulent clipper. Et quoi, ils veulent clipper et se barrer, pas de force, rien. Ben non, frère, c'est pas comme ça, frère. Tu vois quoi? C'est trop facile de venir chez nous clipper et partir. Voilà, c'est pas comme il dit Samy, c'est pas un musée chez nous. Parce que trop de gens ils sont venus, t'as vu des gens connus, ils font des clips, ils font des trucs. Voilà, après tu les vois, frère, ils calculent même pas, ils viennent que pour l'engouement de la ville. Et nous n'aiment pas trop ce délire là. Là on est au KDK, tu connais où t'as interviewé Samy Trail. Clip, on commence, la dernière fois t'as commencé par là. Et là on va terminer par là. Bah, tiens. Viens, alors du coup on est avec Samy Trail aussi du coup. Bon bah frérot, là. Ça fait longtemps alors. Si, wesh Gab, code 9 depuis. Ah bon, on est là et toi, ça a sorti quoi depuis un petit peu? Bah là, j'ai sorti un EP, j'ai sorti des clips. La série Goudron. Là, je vais ressortir un EP 40. Il y aura Nima, la Krabs dessus, Rimkano. Et voilà, ça annonce le rue. Comme d'hab, tu connais. Faire mes abonnés, grand CR de feu, tu connais. Fais pas les donner, un truc gros bonnet. Trafiquant qui cherche ses bonnets, tu prends ta tollée. Bon, il y a une question que je vais poser. Tu m'as dit si. Déjà même depuis, je me la pose depuis l'époque que j'ai fait la vidéo avec toi gros. Le KDK, ça veut dire quoi KDK? Pourquoi ça s'appelle KDK ici? Ouais. Et comment? Pourquoi ça s'appelle comme ça gros ici? Parce qu'avant il y avait que des khal mon frère. Parce que c'est une forte communauté capverdienne. Il y a eu un déportage de l'Algérie et du Cap Vert. Et ici frérot c'est que des capverdiens là. Ok. Côté du pile c'était pareil, mélangé c'était ouais, comment? Ouais là-bas c'est pareil, c'est mélangé. Il y a tout, en vérité c'est mélangé, il y a tout, t'as vu. C'est juste que c'est le surnom du coin, c'est tout, c'est comme ça, t'as vu. Ça fait c'est comme ça depuis 30 ans frère, depuis 40 ans c'est comme ça, t'as capté. Et ça fait toujours partie. Et encore, KDK, c'est leur génération qui disait. Nous on disait pas KDK avant, t'as vu. Nous on n'a jamais dit KDK, tu vois. Mais en vérité c'est KDK. Et KDK c'est chez Samy. Et comme je t'ai dit, ici c'est chez lui, voilà, c'est son coin. Et ça fait toujours partie du pile ça. Ouais ouais, là t'es au pile, t'es au KDK. C'est jusqu'à la place du pile. Exactement. C'est ça, bon. Toi t'as clippé un peu au KDK ou quoi frère? Ouais j'ai clippé Pepsi avec Demolition il y a un moment. J'ai clippé là avec Zixo il y a pas longtemps avec Samy. Restez branché, gros album de Rikano. Quand je clippe je passe un coup de fil à Samy. Samy j'arrive, Samy il est toujours au P, il est toujours là. Et qui est fort aussi, Samy Trail hein. Ça arrive, il a sorti un E17, c'est ça? Ouais ouais, un EP. Il a sorti un EP, allez cliquer fort hein. Cliquez aussi sur la chaîne de Gab hein. Ah cool, merci ouais. Gros, ça fait plaisir ouais, c'est normal. C'est mon rôle, c'est 90 minutes. Tous ceux qui reconnaissent, content du service public. Voilà, excellent. Excellent. Voilà. Il est content d'être avec nous, visiblement. Je t'emmerde. Donc voilà. Je t'encule, coucou. CH pour les collègues. Et voilà. Content du service public, monsieur. Excellent. On arrive où, du coup, frère? Là, c'est le Thunard, mon ref. T'as capté? C'est notre zone du pile, KDK, t'as le Thunard juste en bas. T'es venu avec Samy la fois dernière? Venu ici, ouais. Nous, on va descendre par là, tranquille, t'as vu? On va retourner. Le quartier, il est grand, hein, t'as vu? Ouais, du coup, c'est grand un peu le pile. En plus, la fois dernière que t'es venu, t'es pas venu à la place du pile. Je suis pas venu, non. Tu t'es arrêté à la terrasse. Que au KDK et ici à la terrasse. Ça veut dire, ouais. Gros, c'est comment un peu entre les quartiers de Roubaix? Parce qu'il y en a pas mal ici, ça veut dire c'est un peu. Voilà, je comprends pas, frère, c'est pas tendu entre nous. C'est tendu que quand il y a des sous, des affaires, des fautes, comme tous les quartiers, t'as capté. Mais sinon, on est entre nous, il n'y a pas de. T'as vu? Il y a des gens qui sont en embrouille, tout, c'est normal, t'as vu? Mais sinon, il n'y a pas de problème entre les quartiers de Roubaix, t'as capté? On est entre nous, on est là. Bon, t'as vu, surtout moi, je parle un peu avec tout le monde, t'as capté, je suis branché avec tout le monde. D'ailleurs, on va faire des grosses dédicaces après, t'as pisté. Ah ouais, obligé. À tous les secteurs. C'est-à-dire, c'était comment la mentalité? Est-ce qu'elle a changé avec le temps depuis l'époque? Ouais, elle a changé quand même. Les petits, t'as vu, les petits, ils ont ramené un truc un peu. Nous, on était plus à l'ancienne, hein. T'as vu, frère, il n'y avait pas de Snap, Instagram, tout ça. Moi, j'étais plus tard, ça. Et après, tu connais, ils ont leur délire, les plus petits, t'as vu? Ils ont leur délire et nous, on a le nôtre. Mais il n'y a pas de problème, on est ensemble, t'as capté, on marche ensemble. Ça fait pas de différence. Et le pile, il a changé depuis l'époque ou quoi? Voilà que ça a changé quand même. Ça a changé, il y a plus de maisons abandonnées. T'as vu, les gens sont partis du secteur et il n'y a plus trop grand monde. Mais sinon, ça reste la même en vérité. Juste les noms, t'as vu, KDK, mais c'était quartier d'Ekhal, mais c'est pareil, c'est diminutif. Sinon, c'est la même, garde, t'as capté. Pratiquement toutes les maisons, surtout du côté de la place du pile, je sais pas si t'as vu, toutes les maisons, ils sont abandonnées. Mais sinon, ouais, non, ça n'a pas trop changé. Voilà, je te mens pas, il n'y a que les têtes, c'est les petits frères, c'est tout, t'as vu? C'est ça. Avant, j'étais les mêmes avec les grands frères, t'as capté? Ils sont comment? Ils sont plus déter les petits qu'à ton époque? Ils sont, voilà, ils sont mon frère, plus calmes, c'est comment? C'est différent.
c'est différent, les vis, les tout est différent. La rue à l'époque, on faisait avec notre temps, eux ils font avec leur temps. Bah, maintenant déjà, il y a internet, téléphone, bah, même moi je vais avec mon temps, bien sûr. Mais c'est pas pareil, c'était pas, le même, c'était pas les, mêmes, les mêmes ambiances, c'était pas pareil. Mais au final, en vérité, frère, ça reste des petits tupils, ça reste une pile, ça reste la même mentalité. En tout cas, la mentalité elle est la même, on reste roubaisien. Et ça veut dire quoi ça, Ion? En fait, à l'époque, regarde, à l'époque, ça criait Ion, mais ouais, c'est vraiment la fausse chaîne, ça criait Ion quand t'avais les keufs et tout qui s'arrivaient. T'as capté, c'est le Aha en vérité. T'as vu? Après, chez nous, ça criait Bebop, t'as pisté. Bebop aussi, c'était un Aha à l'ancienne. Et maintenant, depuis bah, ça fait longtemps, il n'y a que le pile conduisant, on crie lundi, t'as vu? Il y a dû te le dire, Samy, ça. Ouais, ça crie lundi. Quand t'entends lundi, c'est qu'il y a les keufs. Ah vois? Ouais. Mais le Ion, c'est resté après, ça a été repris, par exemple, moi, au quartier. Aujourd'hui, à Roubaix, je l'entends plus trop, mais nous, au quartier, on l'utilise grave. Et en fait, c'est puisqu'on est influencé, vu qu'on est des plus petits quartiers que Roubaix, qu'on est un peu plus loin, tu vois ce que je veux dire. On récupère les bails. Tu viens chez nous, voilà, ça crie en bas. Là. Après, un jour, une soirée, je vais faire un pétard, je vais venir. Hein. Ouais, bah. Non, ouais, mon gars, c'était une zone, t'as vu, ça se croit, ça s'appelle la GG ici. La GG ici, ouais. Comment ici, c'était une zone aussi, t'as capté, bon, là, y a pas de gros monde. C'est plus une zone d'anciens. T'as clippé dans tout le pile ou quoi, gros? Ouais, j'ai clippé dans tout le pile, voilà frère, je te mens pas, 4DK. Ouais, j'ai pas fait, je crois tu narres, je l'ai pas fait. Ok, j'ai dû faire. Et je mets plus place du pile, t'as vu, comme je suis de l'autre côté, t'as capté, t'as ouais, marché un ouais. peu contre le quartier. Comme je suis de l'autre garde, frère, y'a pas de détenu ici, regarde mon frère, gros drapeau. Ça va les gars, on revient. On fait une interview. On leur montre que le quartier, comment il est. C'est quoi, c'est un resto? Ouais, c'est un resto. Ouais. Ouais. Grosse dédicace pour le resto des frérots là. Ouais, c'est quoi, c'est Suriname? Suriname, ouais. Suriname, force pour le... Je lui dis ici, il y a tout frère, on est mélangé, il n'y a pas de... Ah ouais. T'as capté, force à vous les refs. Merci. Ah ouais, justement, c'est le contraire de ce que les 90 minutes d'enquête, je sais pas qu'ils ont essayé. Ah oui, c'est tout le contraire, hein. T'as capté Suriname, Cap-Vert, Algérie, t'as tous les... T'as capté mon ref? T'as tous les ethnies, c'est vraiment tout le contraire, t'as vu frère? Ah ouais, mais comment ça se fait, ils veulent mettre à tout prix cette image sur Roubaix, selon toi, bien sûr, selon toi. Bah frérot, on va pas se mentir, c'est une ville, majoritairement on est algérien, il y a beaucoup d'Algériens, t'as vu, beaucoup de Maghrébins. Je sais pas frérot, voilà, ils veulent nous mettre une étiquette, je sais pas, t'as vu. En plus, le pire c'est que c'est des gens qui vivent même pas ici, t'as capté? Ouais. Ils vivent même pas avec nous, ils savent même pas ce qui se passe ici. Ils viennent dans une rue, ils trouvent des boucheries halal, ça y est, directement ils collent une étiquette, mais bon, c'est... C'est tout, c'est parce que tu connais frère, ils aiment pas. Ils aiment pas parler de politique, t'as capté, mais voilà, ils aiment pas l'islam frère, tu sais très bien comment ils sont avec. C'est comme ça, c'est tout, tu vois. Ouais. Ils nous aiment pas, c'est tout frère, ils veulent nous couler. Ils vont jamais nous couler de leur vie, frère. Regarde, tout est abandonné, frère. Ah ouais, ils abandonnent tout du coup ici. Des tours de pâté, il y a. Et regarde, tout est filmé, on a des boules partout, voilà. Ah, par contre, c'est des rues, hein, t'as capté. Ça, ils mettent. Il y a des boules, ouais. Ils mettent l'argent dedans. 60 000 balles là. Ah ouais. Je crois, ça coûte un paquet ce bordel. Putain. Regarde, tu vois le quartier hyper, regarde le flash. Les gens, ils nous ont fait des dessins sur les murs pour rendre le quartier plus beau, mais bon. Ça fait plus Brooklyn que. Ouais. C'est le Brooklyn français, gros, c'est. C'est vraiment couillé abandonné, t'as capté, regarde, ouais. T'as que des maisons murées ici, t'as vu? Ouais, je vois ça, ouais. Ça fait combien de temps ça commence à partir en couille comme ça, un peu, là? Ouais, là, ça va faire de... Je sais pas, ça a commencé il y a 5 ans, je pense, hein, t'as capté? 4-5 ans, à mon avis, tu vois. Et les gens, ils ont commencé à tailler, parce que c'est le bordel aussi. T'as vu, c'est les conditions de vie ici aussi, t'as vu, les maisons. Tu les vois comme ça, tu dis, ouais, bien, ils ont des maisons, c'est pas des blocs. Et tu rentres dans la maison, mon frère, tu... Tu vois ce que je veux dire, frère, tu tombes par terre. Ouais. Misère. Là, on est dans une rue. Ah, tu peux. Regarde, encore une boule. Partout, frère, regarde. Elle est où, je l'ai là-bas, pas vu. Là-bas, en face, regarde. Ah, ouais. Dans toutes les rues, frère, ils nous ont minés, t'as vu? T'as vu, les rues ici, sont atypiques. Hein. Ouais, atypiques. Mais c'est particulier, hein, Roubaix. Ouais, t'as capté. C'est particulier. Mais je pense, je sais pas, c'est l'un des quartiers les plus mélangés, je crois. Ouais, tu penses, ouais. Bah, ouais, y a moyen, y a en vrai. Il y a beaucoup d'ethnies, mon frère, t'as vu? Il y a beaucoup de nationalités. T'as vu, t'as tous des trucs comme ça. T'as... En plus, voilà, il y a plein de trucs d'artistes, je sais pas si t'as capté. Il y a plein d'images, plein de trucs de tags. Après, ils disent qu'ils vont rénover le quartier, regarde, frère. 1, 2, 3, 4 maisons murées. Ouais, ouais, ouais. Comme ça, d'affilée normale, t'as vu? Ouais, je vois le délire. Ils vont rénover le quartier, mais en vérité, on est bien comme ça. Ils viennent pas chez nous. Je t'ai dit, sur un tour de pâté, il doit rester des 23 habitants, regarde. Frère, tout est abandonné, tout brûle. Et regarde ce qu'ils font, ils détruisent le quartier, ils font ça. Regarde ce qu'ils font.
font des trous. Ah ouais. C'est ça qu'ils font dans le quartier. À quoi ça sert, je sais pas, regarde même en face, t'as encore des maisons abandonnées, ça s'arrête pas, t'as vu? C'est notre manière de condamner en fait. Ah ouais. C'est notre manière de condamner les bâtiments. Ouais, c'est dire, ça, pour éviter que les gens squattent, tu retires le bâtiment direct. Un truc de fils de pute, une politique de bâtard. Urbanisme. Ça veut dire ils vont casser, ils vont faire un. Ils nous font des terrains d'air, frère. Qu'est-ce qu'on va faire avec des terrains d'air, mon frère? Faites des salles de foot en salle, je sais pas, faites des trucs bien pour les petits. Après, ils se plaignent, les petits font un halal dehors, mon frère. C'est normal, mon frère. Détruisent des maisons pour nous laisser des plans d'air, mon frère. Non, mais ici, c'est une ville, on dirait qu'ils font des tests, on dirait qu'ils s'en battent les couilles. Ouais, c'est ça, ils font des tests, voilà. Regarde-moi. C'est pas normal, c'est le bordel, frère. On dirait des oblètes. T'as capté? Et une boule encore là-bas, regarde encore où. Ah ouais, je la vois encore. Je voulais là-bas la place. Oui, yo. Sur le lapadaire, ouais. Ouais, regarde. Oh, je suis allé où? Attends. Partout, mon frère, on est filmé. C'est plus. Y a même plus de. Tu vis plus, frère. Regardez H24 dans ce quartier. Tu marches dans le quartier, tout le monde il te regarde. T'as tous les keufs au poste, ils te regardent. Mais c'est pas pour autant que. Qu'on arrête. Hein. Ah ouais. Là, c'est le centre du quartier. C'est on ça. Dirait une banque. On dirait. Est protégée. C'est vrai que ça ressemble à rien, ça. Là, c'est le centre du quartier là où on a grandi. Ils l'ont agrandi. Avant, il n'y avait pas ça là. T'as vu? Ici, c'était un parc. On squattait tous là. Bah, c'était comment ton enfance ici là? Bah, ici, ça cherche pas. Ça n'existait pas déjà. Ouais. Tout ça là, ça n'existait pas. Toutes les maisons abandonnées que tu vois, elles étaient vivantes. Il y avait des gens dedans, tu vois. Ça veut dire. C'était pas. Il y avait plus de monde quand même à l'époque. Même là, quand nous on était au coin, il y avait du monde sale. On était à la bombe. Et puis là, on revient à la place du pile. Là, ouais, voilà, on a fait le tour du quartier, t'as capté? C'est ça. En plus, ça va, c'est grand, mais c'est pas très grand. T'as vu, à pied, c'est vite fait. Ouais. C'est particulier de toute façon ici. C'est un tour. Nous, on est en longueur, on dirait, tu vois. Ouais. C'est ça. Ça, c'est encore le centre, t'as capté? Encore le centre, ouais. T'as le centre social, c'est là, on a grandi, frère. Regarde, centre social avec des barreaux, mon frère. Regarde, je t'ai dit, pile life, mon frère. La vie du pile. Ouais. Bon, de retour à la place, c'est là que tout se passe un peu au quartier, ouais, la place, bah, du Pile. En fait, c'est, on va dire, un peu la capitale du Pile. C'est le plus grand secteur du Pile, t'as pisté. Tu regardes, t'as des tas de portes, frère, regarde, t'as tout. Voilà, frère, c'est abandonné, on dirait. Bah, sinon, frérot, on est aussi là pour parler de tes sons. Ouais, parce qu'il voilà, y a pas exactement. Mal de sons qui arrivent, voilà, des projets qui arrivent. Alors, je sais, tu peux en dire plus? Ben, déjà, j'ai fait un son avec Zixo, là, j'ai clippé avec Zixo. Ça va arriver fort, c'est pour mon projet. Bon, on va commencer dans l'ordre, en fait, là. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais sortir un 5 titres avec la Craps. On a fait un projet en commun. Ça va arriver dans pas longtemps. J'ai pas de date précise, t'as vu. Ensuite, j'ai un petit EP qui sort, un 5 titres. Et derrière, j'ai un 15 titres produit par Mesa à la prod. Donc, il faudra suivre fort. Il y a des feats comme Les Ram, comme Zixo. Il y a Demi Portion, il y a la Craps. D'ailleurs, voilà, big dédicace à la Craps. Grosse dédicace à tous les frérots, le petit Makarov, Food Dealer de Rime. Big dédicace aux mecs de l'île sud, d'élite fuite, tous les anciens, grosse dédicace à eux, Chico Varal, frérot. Et voilà, ça va arriver fort, en tout cas pour revenir sur mon son, voilà, ça arrive, on est en train de chercher de voir les dates, les gros albums qui arrivent. Il y a Samitraille bien sûr aussi qui est invité, hein, Samitraille est invité sur le projet avec la Craps. Un feat, moi, la Craps, Samitraille et Foodiller, putain, feat de malade. J'ai les Roubaix Story X aussi, t'as capté, ça c'est mes freestyles, je sais pas si t'as capté les Roubaix Story X. Un homme ça pleure en cachette, avec l'argent on achète. Pas tout ce qu'on veut et ce qu'on voit. En vérité c'est pas vrai, mais je fais semblant que tout va bien pour éviter de faire mal au mien. Là je vais sortir le 8 qui est clippé. Et je pense que Roubaix Story X9 ça va être en feat avec Samitraille. On l'a déjà écrit et tout. Donc il y a pas mal de projets qui arrivent, suivez fort, restez à l'affût, bon. Et... Quand j'ai entendu les noms des feats, j'imagine ça va kicker alors sur le projet. Ouais, ça va et toi? Ria, bien, Smiley, plein d'interviews, ça va, tu vas bien? Ouais. Ouais, ça va kicker fort. Ouais, ça va kicker de fou. C'est que du kickage de toute façon. Moi, tu me connais, c'est du rap français à l'ancienne. En plus, mais ça à la prod, ben, c'est sa spécialité. Pas de drill, pas de trucs, parce que j'ai bien voulu rester dans le rap français, faire ce que je sais faire. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder les groupes historiques. Vous allez comprendre direct. Tu peux me retrouver sur YouTube, Spotify. Une canne officielle pour mon Insta, pour mon Snap. Et voilà, ça va kicker fort les refs. Voilà que ça va kicker sale de chez sale. Rien que le son avec Zixo, c'est sale. Je l'ai clippé ici. Ici, c'est hein. Mon ref, grosse dédicace aux gars du 9-3. Big dédicace à eux, les gars de Montpellier. Grosse dédicace à vous aussi. Bon, dernière question, frérot. La même dans chaque vidéo, tout le temps. C'est quoi ton équipe de foot préférée? C'est les Dogs, mon frère. Le LOSC, hein? Bah ouais, oui, Adam Ounas, grosse dédicace à Ounas, je suis content. Ils ont ramené un DZ. C'est les Dogs, mon frère. Ah, bah c'est carré, gros. C'est quoi tes réseaux aussi qu'on te suit, frérot? Mes réseaux, Instagram, Rimkana Officiel. Snap, Rimkana Officiel. Ma chaîne YouTube, Rimkana Officiel. Tout Rimkana Officiel, vous tapez, vous me trouvez directement. Et on discute, c'est moi qui gère mes réseaux, il n'y a pas de soucis. Tout est bon, merci, frérot, en tout cas. Et cliquez fort sur du Gab. Hein. Ah, c'est merci. Le seul qui va dans la street et qui vient nous chercher ici. Ah, bah ça fait plaisir. C'est la vraie rue. C'est voilà, carré, c'est la vraie rue. Grosse dédicace à Samitraille, faut pas oublier, aller cliquer fort. Le petit Abou,
cliquez fort, cliquez fort. Oui, il y a tous les petits BK de la place du Pile, faut cliquer, frère. C'est cliquez carré, fort, il y a tous les petits qui arrivent, la nouvelle génération. En tout cas, merci à vous, merci à Gab. Force à vous. On est ensemble. Ouais, mon ref, gros, je pour le frérot, faut aller, j'ai besoin de dépannage, tout ce qu'il faut, c'est là. Et tu connais le secteur, voilà, je t'ai ramené le secteur. Ça se termine ici, mon ref. Bienvenue au Pile, quand vous voulez.